What's up guys, that's you so much. J'espère que vous allez bien, comme ça, juste super bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ne choisissez pas le mauvais camping ou la mauvaise tente si vous préférez. Comme vous voulez les gars, en attendant, c'est juste ou pas. Voilà, regardez ces jolis yeux bleus que je n'ai pas du tout dans la vraie vie les gars. Je ne les ai pas, ils n'existent pas, j'ai les yeux gris vert, voilà, c'est ma couleur d'œil. Pour beaucoup de gens, les gens ils aiment bien les yeux gris vert. Moi, semi-semi, hein. Mais bon, on s'en fout, on n'est pas là pour ça, il y a une poule. Bonjour ma cocotte, hop, tu dégages. Wouh, les gars, en passage, mettez un petit like si la vidéo va vous plaire, bien évidemment. Ou mettez-le maintenant si vous voulez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on va passer tout de suite au premier camping qui est le camping jaune. Et allez, let's go. On va aller dedans, ça a l'air d'être. Ouh, ça a l'air d'être immense. Oh, les gars, les gars. Oh, tu sens pas. Oh, y'a Winnie! Winnie, comment ça va? Salut! Oh, regardez les gars, Winnie! Regardez! Ah, il est trop mignon! Mignon! Eh, Winnie, les gars, à chaque fois qu'il vient, il est trop mignon. Au passage, juste, dites-moi dans les commentaires les personnages que vous aimeriez voir pour une prochaine vidéo. Par exemple, vous voulez voir les mignons, si vous voulez voir, je sais pas, Buzz l'éclair, je sais pas. Dites-moi les personnages que vous voulez dans les commentaires et je les prendrai, bien évidemment. Donc, vous inquiétez pas. Tout sera choisi en fonction de ce que vous voulez. Du coup, bref, Winnie, dis-moi, tu veux que je fasse quoi ici? Il se passe quoi? Tu t'as perdu quelque chose? En fait, j'avais mangé en fait un pot de miel et il y a quelqu'un qui me l'a volé. Non. Et il est quelque part dans la grotte, je sais pas quoi faire. Du coup, je t'attendais, je t'avais entendu d'en haut. On t'a volé ton pot de miel? Oui. Du coup, j'aimerais bien que t'ailles m'aider à le retrouver. Mais mec, mais c'est même pas, je vais t'aider à le retrouver. C'est qu'on y va tous. Le pot de miel de Winnie, les gars, c'est sacré. Personne touche à ça. Tu sais qui te l'a volé ou pas? Non, pas du tout, parce que je dormais. Parce qu'il y a des tentes à côté. Tu penses que c'est dans les tentes à côté ou pas? Non, je pense pas. Je pense que c'est dans la grotte. Parce que quand je m'étais réveillée, eh bien, j'avais vu des traces de miel aller vers la grotte. Ok, ok. Du coup, on va. Bah, on va descendre. Tu sais vers où c'est ou pas? Tu as une idée? Il y a des trucs là-bas. Ah, mais c'est immense! What? Je pense que c'est pas par là, je pense. Tu penses que c'est pas par ici? Bah, voyons voir. On va aller voir quand même au cas où, les gars, on sait jamais. Mais c'est vrai que ça c'est sombre et je pense pas que Winnie, le mec, soit allé jusque là-bas quand même. Il aurait bien éclairé. C'est pas beaucoup éclairé. Peut-être là-bas c'est un peu plus éclairé. Oh, il y a un coffre ici. Fait un peu peur ici. Non, il y a rien dedans. Et ça a pas l'air d'être là-bas, les gars, parce que ça a pas l'air d'être. Je pense qu'il faudrait mieux d'aller en arrière. Ok, les gars, Winnie nous dit de remonter, donc sûrement, c'est qu'il a sûrement raison à pas se mentir. Alors, vraiment, les gars, on s'est perdu, je crois. C'est pas là. Ah oui, c'est. Est-ce que tu peux m'aider à grimper, s'il te plaît? Oh non, les gars, Winnie, il est bloqué, le pauvre. Attendez, hop, recule-toi, Winnie. Oui. Voilà, vas-y, Winnie, hop. Ah, merci beaucoup. Les gars, on avait bloqué Winnie. On est horrible. Mettez juste pas horrible dans les commentaires. Du coup, les gars, dites-moi si vous voyez un autre coffre ou un truc comme ça. Attendant, moi, pour le moment, je ne vois rien du tout. Non, moi non plus. Tu vois rien non plus, toi non plus. Oh, regardez, les gars, ça fait. Tu trouves pas, ça fait une tête un peu de Minecraft, un truc comme ça. Genre, en mode. Ah, moi, je trouve grave. Ouais. Attendez, on va essayer quelque chose. Une déco. Hop. On dirait une araignée là, un peu. Ah, merde. Je commence à avoir faim. Tu commences à avoir faim. Non, pardon. Winnie, ok, on va chercher, on arrête de faire des bêtises, les gars. Dites-moi si vous l'avez vu, etc. Parce que moi, attends, je le vois toujours pas. Il y a un petit jump ici, peut-être. Les gars, il n'y a rien, on est d'accord, il n'y a rien. Mais c'est pas possible. T'en es sûr, Winnie, on te l'a volé? Oui, je suis sûr que j'ai vu, du miel. J'avais vu mon pot de miel. Ok, ok. Du coup, il est où, Winnie? Oh, les gars, je crois que j'ai vu. Oh non, les gars, j'ai vu quelque chose. Winnie? Ah, t'es là. Oui. Il y a un coffre, là. Oh, oh, je vois du miel. Oh, les gars, il y a un pot de miel. Winnie, j'ai trouvé un pot de miel. Oh, c'est génial. Bon, vu que tu m'as aidé à le retrouver, je vais quand même te le laisser. Non. J'ai quand même beaucoup de miel encore qui reste. Les gars, il nous laisse le pot de miel, mais il est trop gentil. Mais merci, Winnie. Venez, les gars, mettez Winnie le best dans les commentaires. Winnie le best, câlin, câlin, Winnie. Let's go, les gars, on peut retourner tout simplement en haut de la grotte. Les gars, mais Winnie le best, quoi. Mais le best, trop gentil, Winnie. Tu peux m'aider à remonter? Bien sûr, bien sûr. Le pauvre. Le best maintenant, je l'embête un peu quand même. Hop, hop, hop. Et tac. Ah, merci. Et on a fait un petit truc, on a le pot de miel de Winnie, mais c'est énorme.
Ah les gars, je suis honnêtement, je suis trop content. Genre, il est grave gentil. Ah, il y en a beau français là-bas. Il y a la poule encore. Dégage. Les gars, on n'a rien vu, ok? J'ai pas tué cette poule, c'est pas moi. What? Pourquoi elle est pas drôle, poule? Pourquoi okay, tu viens de tuer une poule? C'est pas... Il m'a vu, je crois. Winnie, c'est pas moi, c'est... elle était déjà morte, regarde. Ah, ok, d'accord. Je pense qu'elle a mangé trop de miel. Ok, moi j'ai trop de miel, les gars, vous avez vu ça, vous. Bref, du coup, les gars, on va passer tout de suite au deuxième personnage. Allez, let's go, c'est parti. Dumbo! Oh, salut Dumbo, comment ça va? Bon, il a trop pété, ou je sais pas comment, regarde, les gars. Dumbo, ça va? Ça va. Oh, les gars, il parle. Bah viens, sors Dumbo, on va parler sans t'attendre. Ouais. Ah, mais dis-moi Dumbo, tu fais quoi ici? T'as pris des vacances, camping, tu t'es fait plaisir? Bah oui, écoute. Ok, d'accord, genre, t'as vu ton voisin, c'est... D'ailleurs, c'est pas toi qui a volé son pot à Winnie? Non. Les gars, je dormais. On est juste d'accord pour dire que Dumbo, il a fait un non, pas trop serein. Essayez de trouver le coupable, hein, essayez de le trouver le coupable du pot de miel. Peut-être que ça se trouve, ce sera pas dans cette vidéo, puis ça se trouve, ce sera dans une prochaine, hein, on verra. Et Dumbo, du coup, dis-moi, tu veux qu'on fasse quoi aujourd'hui? On fait quoi? Par ce beau soleil, je pense qu'il serait mieux de faire une course. Une course? Mais les gars, Dumbo, il va m'éclater, il peut voler avec ses oreilles. Regarde la tête de ses oreilles au passage. Ok, jusqu'au drapeau là? Oui, oui, jusqu'au drapeau, oui. Ok, on y va à mon top, ok? 3, 2, 1, let's go, let's go! Les gars, j'ai triché, on va pas mentir. On va pas se mentir. Il est où? What? Mais Dumbo, reviens là, mais t'as pas le droit de voler! Mais tu triches! Reviens, t'as pas le droit! Mais Dumbo! Les gars, je vais m'étouffer à cause de lui! Dumbo, reviens, t'as pas le droit, il triche! Non, je triche pas! Mais Dumbo, tu redescends! Tu redescends. Mais les gars, ils volent, c'est de la triche, Dumbo. Moi, si je pouvais voler aussi, je gagnerais. Hein. Les gars, ils volent, du coup, la montagne... Par contre, j'arrive pas à monter, les gars. Hop, les gars, il est passé où, Dumbo? Dumbo, t'es où? Ah, il est là. Okay. Vite, vite. Les gars, le but, c'est qu'on gagne, hein, clairement. Il fait quoi, Dumbo? Il me regarde. Dumbo, je sais que tu préfères un mauvais coup, là. Regardez, les gars, il bouge pas, il me regarde avec sa tête, là. En mode bonjour, c'est Dumbo! Qu'est-ce qu'il fait? Les gars, je veux pas savoir ce qu'il fait. Les gars, il est un peu bizarre. On va vite se dépêcher d'aller gagner. Parce que j'ai perdu un peu trop de temps. Vite. De toute façon, on a gagné, les gars. Et voilà. C'est qui le premier au drapeau? Les gars, c'est Jusso, pas le premier au drapeau? Mais t'es Jusso! Comment il a fait pour être là aussi rapidement? Il a volé. 100% il a volé. Dumbo, tu triches! Viens! Viens ici. Non, pas du tout. J'ai pas triché. Viens ici, Dumbo. Les gars, de toute façon, mettez dans les commentaires Jusso, pas le best. Hein. Rien à dire. Il est où Dumbo? Il est là. Dumbo, tu viens avec moi? Oui, ok. Regardez, c'est trop stylé, il peut voler! Du coup, Dumbo, j'ai gagné. Est-ce qu'une petite récompense? Voilà, un petit truc, ça pourrait te faire plaisir. Ça pourrait me faire plaisir. Oui. Ah, on veut la récompense! On veut la récompense! Alors, du coup, tiens. Les gars, on va avoir la plume de Dumbo, 100%. Je veux la plume. Tiens. Les gars, c'est quoi? C'est cadeau. Les gars, c'est la plume de Dumbo, les gars. Merci Dumbo. Ciao, ciao. Vite, vite, on se barre. Les gars, oh, attendez, on va tenter un jump. Je sais pas si c'est possible, les gars. Oh, YOLO. Les gars, on a fait le jump dans l'eau. Dumbo il peut voler, je sais pas pourquoi il fait ça. Les gars, vite. On va essayer de se dépêcher, les gars. On a récupéré une plume de Dumbo pour pouvoir voler. Attends, on va essayer parce que, comme vous savez, les gars, pour ceux qui connaissent pas Dumbo, Dumbo en fait, par sa trompe, il avale une plume en quelque sorte. Et il fait un tchou, mais après il s'envole. Donc, les gars, on va essayer. Hop, on va prendre la plume et tchac. Et oh, les gars, on peut voler. On peut voler comme Dumbo, regardez. Waouh, les gars, c'est énorme. Wow, wouf. Par contre, ça dure pas trop longtemps. Hop, on va mettre la petite plume ici, les gars. Merci à toi, Dumbo. Et on va pouvoir passer tout de suite au prochain personnage, qui sera un personnage bleu, du coup. Et allez, let's go, c'est parti. Bon, du coup, les gars, c'est parti. On va passer tout de suite au dernier personnage, qui est un personnage bleu, tout simplement. Et allez, let's go. Toc, toc, toc. Oh, j'ai fait peur à quelqu'un par moi.
C'est qui? C'est Jusopa. Ah, Movie. Oh, les gars, c'est Gumball. Comment ça va, mon pote? Bah écoute, je me sentais un peu triste quand t'étais plus là. Pourquoi tu te sentais un peu triste? Ah non, parce qu'on s'est pas vu depuis longtemps. Les gars, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu Gumball. Honnêtement, je peux comprendre. Gumball, du coup, dis-moi, tu veux faire quoi? On fait quoi? Bah, vu que je suis un peu triste, ça te dit un duel de blagues? Oh, de ouf! Viens, vas-y, on va se mettre dehors, genre, on va pas rester dans cette tente. Si, j'arrive. On va se mettre ici, genre, c'est simple. Hop. Ok, vas-y, du coup, Gumball, un duel de blagues. En combien? Le premier qui rigole, il l'a perdu, ou c'est... On doit rigoler trois fois, et au bout du premier qui rigole trois fois, il l'a perdu? Ok. On fait ça? On fait la deuxième? Ouais. Ok, vas-y, let's go. Tu commences ou je commence? Les gars, ce que je vous dis pas, en fait, c'est que j'ai préparé des blagues à côté. J'ai des blagues à côté de moi, les gars. Vas-y. Alors, quelle mamie fait peur aux voleurs? Ma mitraillette. Les gars, vous savez pourquoi je l'ai? C'est la première blague qui est marquée à côté de moi, les gars. C'est la première blague qui est marquée. Gumball? Oui. Il est énervé, les gars. J'ai une blague. Oui. Comment est-ce que la chouette sait que son mari fait la gueule? Que son mari est pas content, quoi. Je sais pas. Parce qu'il boude. Les gars, il a rigolé. Yes, 1-0 pour moi, les gars. 1-0 pour moi, il a rigolé. Yes, 1-0 pour moi, les gars. Vas-y, à toi. Quelle fée fait peur aux enfants? Je sais pas. La fée, c'est... Les gars, elle est vraiment pas mal. Honnêtement, ça fait 1-1. Elle est excellente, sa blague. Rien à dire, elle est excellente. Au passage, les gars, dites-moi laquelle des blagues vous avez préférée dans les commentaires. Hein. Alors, pourquoi est-ce qu'on met tous les crocos en prison? Les crocos. Je sais pas. Parce que les crocodiles... Les gars, ça fait 2-1. Les gars, ça fait 2-1. On va win. On va win. Gars, je crois ah, par contre, tu permets, je vais un peu me laver les mains parce que j'ai un peu du miel sur mes mains. Ouh, les gars. On a un indice là, non? Comme ça, les gars, Winnie. Gumball? Oui. Pourquoi t'as du miel sur les mains? Je pratique. Gumball, t'as pas volé, t'as pas volé le truc de Winnie? T'as pas volé le miel? T'as volé le pot de miel de Winnie? Non, t'as volé le pot de miel de Winnie? Non, il y a une ruche là-bas. Si. Assume. Assume. Bon, d'accord. Pourquoi tu l'as fait? Pourquoi t'as volé? Les gars, c'est Gumball le voleur. Mais t'es Gumball le voleur, quoi. Mais pourquoi t'as volé? Bah, parce que Darwin, il avait faim. Du coup, bah, je l'ai ramené. Bah, mais même, tu voles pas. Tu demandes. En plus, Winnie, il est tout gentil. T'en aurais prêté un. Bon, du coup, Gumball, on va faire du coup que j'ai gagné. Donc, tu me passes la récompense. D'accord. Tiens. Les gars, Gumball, c'est un voleur, mais le pauvre Winnie, quoi. On le préviendra un jour, vous inquiétez pas. Et oh, un coquelicot, c'est mignon, ça. Merci, Gumball. Oui. Hop, on va pouvoir le mettre dans notre superbe mur. Et du coup, les gars, c'est la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu avec ces magnifiques totems en compagnie de Gumball juste à côté. Gumball le voleur, au passage, les gars, dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est pas déjà fait. C'était juste en bas, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye, tout le monde. Salut.